J'évolue dans une sphère où la musique est omniprésente, la culture, de par mes parents. Je ne pourrais pas dire qu'il y a eu un moment précis où la musique a toqué à ma porte. Aussi loin que je m'en souvienne, elle a toujours été là. Mes parents sont des mélomanes, mes frères et sœurs ont suivi parce que je suis l'avant-dernier d'une famille de 6 enfants. Et chacun a pris sa route musicale, donc chacun avec ses influences propres. Moi j'ai bercé dans tout ça et puis j'ai été influencé plus par un style, par le style de l'un à une période, plus par le style de l'autre à une autre période. Et d'ailleurs aujourd'hui ma musique est un mélange, un mix un peu de toutes ces influences que j'ai. Quand j'étais petit, mon grand frère écoutait beaucoup de rock. Du rock, voilà, je suis un enfant des années 80, donc toute l'époque des années 90, voilà, j'ai été bien dedans. Époque rock, je te parle du bon gros rock, bien groovy, pour te donner quelques références, Rage Against the Machine, en passant par Guns N' Roses, en passant par Lenny Kravitz. Par d'autres, ça c'était plus mon grand frère. Et mes sœurs étaient plus dans la culture américaine. Donc à cette époque, c'était beaucoup les Joe DC, les H-Town, tous ces boys band entre guillemets, mais pas dans le concept boys band, le cliché, pas très flatteur selon moi. Mais je parle vraiment de la black music avec tous ces groupes de noirs. Qui étaient ensemble, cette époque Bad Boys, cette époque un peu plus tard, mais qui font partie des années 90 selon moi, cette époque Tupac, Death Row, j'ai baigné un peu dans tout ça. Beaucoup plus tard, en évoluant, mes frères et sœurs ont commencé à écouter un peu plus de New Soul. Donc là, j'ai un peu suivi, et c'est d'ailleurs à cette époque que j'ai commencé à suivre un peu ma route. Bon, faut pas oublier que c'est vraiment dans les grandes lignes, hein, mais j'ai écouté vraiment beaucoup de choses. Là, j'ai pas parlé du rap français, mais j'ai beaucoup écouté ça. Et donc, pour revenir à ce que je disais, à l'époque, donc fin des années 90, j'ai commencé à écouter plus de la New Soul. Donc, c'était plus D'Angelo, les Eric Abadou, les Soul Koreans, un peu plus tard, Music Soul Child. Et c'est à partir de là que j'ai un petit peu suivi ma voie. Et alors là, j'ai commencé à écouter un peu plus des gens. Ça, c'est pas que Corneille arrive. Et étant un fan aussi, un fan de la musique interprétée, chantée en français, Corneille m'a beaucoup parlé parce que j'étais touché dans sa façon d'aborder la langue française. Et j'étais touché par sa musique. En parallèle, j'ai beaucoup écouté des artistes comme Singila. Dans sa façon de raconter, son premier album m'a complètement marqué. Je l'ai bouffé à toutes les sauces. Et beaucoup plus tard, en fait, je suis revenu un petit peu dans la musique que j'écoutais plus petit, mais que j'affectionnais pas forcément à cette époque. Donc je l'écoutais, donc je suis revenu beaucoup plus sur des trucs un peu rock, etc. etc. Écoute, non, pas vraiment. À une époque, je pensais pouvoir mettre une espèce de système en place pour commencer à travailler. J'ai essayé et en fait, ça ne m'allait pas du tout. Parce que, après, ce n'est que mon expérience. Parce que dans ce processus-là, je perdais dans la spontanéité et le feeling juste. Donc, pour répondre à ta question, il y a des fois, c'est la mélodie qui vient. Il y a des fois, un mot va arriver. Il y a des fois, un thème fait que j'arrive à la maison
Je commence à faire je fais une instru, et puis le texte vient de manière très naturelle, et puis je fais les arrangements, et le lendemain, en fait, j'ai un son, tu vois. Donc, il n'y a pas un processus établi. Franchement, parfois, ça peut venir de n'importe quoi, tu vois, ça dépend. Des messages, des thèmes, aborder des thèmes qu'on n'aborde pas ou qu'on aborde peu. Après, la musique, c'est également, comme je le disais tout à l'heure, c'est un exutoire. Donc ça me fait beaucoup de bien, c'est thérapeutique. Si ça peut aider des gens, de quelle manière leur faire passer une bonne journée, leur faire passer un bon moment, les rappeler certains souvenirs ou les rappeler des situations qui se retrouvent à travers ma musique, je pense que j'aurais fait mes devoirs, je dirais. Je vais dire ça comme ça. J'en suis fier. J'en suis tellement fier. Ça fait très longtemps, et en même temps c'est relatif parce que voilà, c'est un accouchement, hein. Ça se fait pas en un claquement de doigts, mais ça fait très longtemps que je bassine un peu mon entourage, les gens qui me suivent, avec cette phrase « mûrir jeune, mûrir jeune, mûrir jeune ». Donc une fois que ça se réalise, j'en suis fier, quoi. Je pense qu'on peut être fier d'un travail qu'on a fait, d'un processus qu'on a pris le temps de suivre et qu'on a réalisé, tu vois, un rêve qu'on a réalisé. Donc aujourd'hui, bon, ça ne m'appartient plus parce qu'il est sur les plateformes, ça appartient aux gens qui l'écoutent. Mais j'en suis fier, j'en suis très heureux. Déjà, j'aimais bien le jeu de mots. Mûrir jeune, ça peut vouloir dire plein de choses. Je crois que chacun l'interprétera un peu à sa manière, et c'est ce qui me plaisait aussi dans le titre. Moi, personnellement, mûrir jeune, c'est comme ça, quand je l'entends, c'est grandir un peu parce qu'on n'a pas le choix. Donc, les expériences qu'on a pu vivre, ou le monde simplement dans lequel on vit aujourd'hui, fait que moi, personnellement, j'ai dû être amené à grandir vite, tu vois. Moi, j'ai un enfant, tu vois, j'ai un enfant et je l'ai eu, j'étais entre guillemets jeune, même si ailleurs, jeune, tu vois, c'est relatif. Il y a des gens, ils ont des responsabilités tôt. On peut voir ça ici comme tôt, mais tout ça pour dire que à un moment, ça m'a emmené à devoir grandir un peu plus vite que mes camarades, les gens qui m'entourent. Donc voilà, c'est un peu comme ça que moi, j'interprète la phrase « mûrir jeune ».